l'intérieur, les gens qui apprennent à l'intérieur. Vous aurez toujours quelqu'un devant vous qui connaît la danse, vous allez vous rattraper au moins. Mettez au milieu les enfants, au milieu, ben on peut en faire encore une ligne. Donc là, tu te mets devant les corps, et on se met là. C'est-à-dire de les avoir la tête. Oh là là, elles sont pas... Attends. Je recule. Ah, tu sens. C'est bien, c'est bien. Excusez-moi. Donc vous avez remarqué, c'est aussi où je pourrais l'appeler la... Hitch gauche, hitch droite. Là, on reste. Pour ça, je dis la danse à la côte est. Ensuite, on repart du pied droit, on fait trois pas en arrière. Un, deux, trois. On recule, tout simplement. On refait un hitch gauche, moins haut que l'autre. Juste, on soulève un peu. On repose le pied gauche, et c'est là où on, les Athéniens s'atteignent. On va saluer avec le chapeau. Le plus important, c'est pas le chapeau, c'est le pied, en fait. Là, on va toucher son pied droit. Ah, avec la main gauche. Imagine, vous aussi, ça commence à se faire. Voilà. On commence mes débuts. On y va. Alors, hitch droit. Hitch gauche. Hitch droit, on recule. 1, 2, 3. Un hitch gauche. Et ici, le chapeau et le talon. Elle est perdue maintenant. Ça va, chapeau, talon? Elle est perdue, c'est quoi ça? C'est à moi, à force, tu as hop, qu'est-ce qu'on fait après? Allez, pas chassé. Ok, donc après, on repose tout, heureusement. Hein, on pose, et on part en pas chassé. Manon, elle écrase les mains. Pas chassé, un pied chasse l'autre. Hein. En langage country, c'est un shuffle. Il y a à côté de moi, donc shuffle. Et on fait un quart de tour, c'est ça? Attends, quand je la décompose, je vais la... Ah, le... alors... Voilà, le talon par terre. Donc, pas chassé. Un shuffle du pied. Un scuff du pied gauche. Ah non, mais bah attends, bah alors pourquoi vous... Attendez, reculez, il faut que je la refasse. Parce que... Ah bah oui, ça c'est cool. On vient de la faire, ça. Mais non, c'est pas chassé. Really, really think about it. Yeah.
scrap piece of paper.